Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur mon live qui démarre maintenant. Et nous allons tester aujourd'hui la colocation entre filles dans les Sims 4. Alors si j'arrive à cramer ma colocatrice, ce serait pas mal si elle me casse les roubignoles. Voilà, alors on va chercher la partie. Tac. Et c'est parti mon cookie et je vous souhaite un bon live avec votre café, votre cigarette, tout ce que vous voulez. Et c'est parti. Alors, on était dans la famille Sims, je vais un peu la relooker, parce que franchement, c'est pas terrible, terrible. Donc on a déjà perdu un petit ami. Elle est... Elle s'est fait plaquer hier en fait en boîte de nuit, elle s'est fait ramasser un gros râteau. Désolée pour elle, je suis vraiment désolée. Alors, approchez mon micro, hop, voilà. Parce que sinon je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Voilà, alors on va passer par un petit relooking. Par contre on n'a pas. Alors, ouais, et puis on n'a pas de lit pour la colocatrice là. On va lui acheter un lit. Alors est-ce qu'on va lui mettre le même? Non, on va lui mettre un lit qui ressemble au... Ouais. Hop. Bon, il faudrait qu'elles aient un petit peu d'argent quand même parce que... Elles peuvent même pas s'acheter une armoire quoi. C'est pas sérieux. Franchement c'est pas sérieux. Il est samedi, il est 20h, elle travaille bientôt. Alors elle, elle pourrait chercher un petit peu du travail quand même. Ce serait pas mal quand même. Trouver un emploi. Alors, quelle compétence elle a? Alors, quelle compétence elle a? La pêche. Ouais, super. J'ai trouvé du travail dans la pêche. Je suis pas sûre que ce soit très très intéressant pour elle. Mais elle pourrait se lancer dans une carrière scientifique un petit peu finalement. Avec la pêche, elle pourrait faire des bons plats. Ou agent secret. Médecin, non, j'ai pas envie de la mettre médecin parce que j'ai pas envie de l'accompagner au boulot. On va faire un peu geekette. Bourreau des nouvelles technologies. Allez. Ah merde! Ah non, mais hier on lui avait trouvé un truc, on l'avait mis danseuse, mais oui, mais je suis con. Aïe aïe, non, bah non, elle retourne dans sa branche là. Mais oui, on lui avait trouvé un emploi hier en plus. Je te jure. On va la remettre, c'était athlète, elle voulait aller dans la danse. Voilà. Elle va regarder la télé. Ah bah c'est vite. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as un appel téléphonique? Il y a une soirée célibataire au bar. Mais oui, une soirée célibataire quoi. Normal. Et je me suis pas branchée sur le Mumble. Mumble. Juste faire un petit coucou. Bah, tout le monde est en live. Je vais peut-être me mettre sur mon Mumble à moi. Du coup, voilà.
Voilà. Hop, alors, soirée célibataire. Bon, en plus, c'est son ex qui l'invite, donc c'est pas mal. Finalement, pourquoi pas? Ah bah on va pouvoir la relooker ici. Alors, juste je vais fermer mes volets parce que ça brille un peu. Oui. Alors, on va te relooker. Grand gig en tenue quotidienne. Alors, au quotidien. Ouais, elle est jolie cette petite robe. On va lui mettre des chaussures. Ouais, oh, non, je vais pas l'habiller comme ça. On va la mettre un peu à la mode. Moi je suis pas habillée comme ça en vrai, je suis plutôt du jean. Oui, parce que c'est chou Sims. On va mettre plutôt un jean avec des baskets. On va lui mettre un petit haut. On va lui changer ses cheveux aussi. Voilà, tenue quotidienne, je préfère. Bienvenue au nouveau follow, au nouveau viewer follow, n'importe quoi. Moi, je serais plutôt plus gentille. Je sais pas ce que je vais lui mettre. Pour une tenue habillée, non, je vais mettre une petite robe. La petite robe que j'ai vue tout à l'heure, ça lui ira très bien. Voilà. Tenue de sport, non, je veux une tenue super sexy. Plus que sexy la tenue de sport. Alors. Ouais, on va faire ça comme ça. Pyjama, on s'en cogne un peu. Ouais. Et ouais. Après, j'aimerais... au niveau de la tenue de tous les jours, je vais quand même essayer de bien la maquiller. Enfin, lui faire des jolis trucs là, parce qu'en fait... Mega eye. Voilà, on va lui mettre un rouge à lèvres super shiny. Voilà, les joues, alors là j'aime pas trop mettre l'eyeliner, on va lui mettre ça. Voilà, là qu'elle est jolie. Oh que t'es jolie là, la cimette hein. Un petit peu maquillage, ça change tout hein. Voilà, maintenant t'as plus qu'à rencontrer l'homme de ta vie. Ah non, le voisin qui se met à faire du brrr. Oh, mais qui est-ce donc? Serait-ce Don Lotario? C'est Don Lotario. Alors, jouer avec... Eh ben, on va faire une partie de machin à plusieurs. Partie de baby-foot. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas heureuse, elle, là? Oh là, mon Dieu! Elle a l'air méchante. Voilà.
à se faire des copines un peu. C'est la soirée célibataire au bar. Bon, bricolo, bricolette, tu s'arrêtes là? En fait, elle est bizarre, ma colocatrice. Elle a les cheveux noirs et elle a les sourcils orange. Elle est vraiment pas belle. Enfin, comment veux-tu qu'elle trouve l'homme de sa vie en étant collée? Oh, bah, elle va aller se présenter un petit peu. Hein. Il y a un homme là, on va en profiter. Hein. Alors, pour qu'il m'entende sincèrement, on va essayer de se trouver un. C'est super agréable d'entendre ce bruit alors qu'on fait un live. Il aime la musique. On va se renseigner sur son travail. Se renseigner sur la carrière. Ah, Bepson McCoy. Fiona Blash. Cool. Snibara Watanini. Lamina Exine. Miss Stevie Flina. Show. Lingo. Creepy new play. Tumba Krabow. Conjoint Moira. Ah, il a quelqu'un. Ino Planar. Vinfahab. Oh, Charbin DeCool. Ah, puis elle est là en plus. Elle est là. Oups, bah on va éviter quand même, hein. Guarda Finosa, Batanabe, Tini, Unichi, Parsife, Probin, Samba, Susu, Susu, Gorba, Alexandra Guérin. Oh là là, mais c'est pas possible, ils sont tous mariés. Christophe Martinez, peut-être. Ah ah. Alors, on va faire comme. Mais il est parti, mais il reste plus que lui. Alors, salut Marcus, hein. Doba Harpin. Watuni, Sepsito. Wayne Fabano. Chita Funa. Alors, tu renseignes sur la carrière. Sepsito. Actif, ça c'est bien ça. Fiona Blanche. Cool. Sosu. Doba Harpin. Quirksy. Il est sans emploi, mais ça c'est pas bien grave, hein. Fenib Nitza. Neebs, Alcha. Oh, Bouchard. Clark.
Il est réticent à s'engager. Et il est célibataire, mais réticent à s'engager, ça fait un peu peur quand même. Filpa Brehe, Gibaru Benu. Ça fait un petit peu peur, il est réticent à s'engager. Généralement, Thomas Rousseau. Je sais pas pourquoi je me sens pas célibataire. Oh, il est célibataire! Alors, amical, se renseigner sur la carrière. Il est barista. On va essayer de faire connaissance avec lui. Il est un petit peu 5h du matin. Ah, j'arrive pas. À faire connaissance. Une conversation profonde. Neebs, Alcha. Oh, Bouchard. Quark. Hardu Skidna. Washes a breeze. Baribi. Dops Nabara Watanini. Quimble Reginu. Insula. Ruskin. Je voudrais faire connaissance avec toi. Flesh. Ando. Arish. Septo. Tachatuni. Ah. Love a cat. Quimble Reginu. Essaye de l'enlacer, voir. Ouais, un super pote, je t'enlace. Oui. Oh, Prita. Wassenex. On va essayer de draguer. Chave. Inja Fibna. Oh, la Pima. Bon, elle va rentrer à la maison parce que... Elles sont un petit peu... Elle doit aller travailler, il est 7h du matin, elle n'a pas dormi. Ça va être très chaud là. Sommeil, alors qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a... à la faim et à la sommeil. Alors dormir et puis comme ça elle travaillera. Sa copine aussi. Dans 7 heures. Ouais, bah la copine elle a le temps. Hein. Elle doit faire quoi la copine d'ailleurs? Elle doit s'entraîner? J'ai entendu avec Aurélie, mais c'est vraiment sympa. Super! Hop! Faut peut-être bien que t'ailles au boulot quand même!
Alors. On pourrait peut-être mettre un petit peu de musique quand même. Parce que j'ai envie de musique. Musique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre un peu de soul. Voilà, si j'espère que la musique ne va pas trop vous déranger. Alors, on va en profiter. Bon, ce serait bien qu'elle ait une promotion quand même, un petit peu, elle. Ah, les gars, ils sont pareils toi aussi. Alors avec une promotion, elle va pouvoir s'acheter peut-être un bureau. Ce serait pas mal qu'elle ait un bureau en fait. J'ai des bureaux à 50$. Alors, ça doit être la bibliothèque qui doit gêner, je trouve. Non, mais il est trop grand, de toute façon, ce bureau. On va mettre celui-là. On va remettre la bibliothèque ici. Et on va mettre une chaise. Alors c'est très agréable de voir un... J'ai un truc qui a une fête géniale sur la falaise en ce moment, je tente d'y aller. Non, elle est fatiguée. Allez, tout le monde est au lit. Ah, déjà debout. Ah, est-ce qu'elle travaille le lundi? Oui, alors elle travaille. Je crois qu'elle va se faire vraiment un petit déj. Elle nettoyait son appartement. Thank you.
Falabo? Laughing! Nurbane and Kabul! Blob Abgar! Shinisio Bimo! Finn Bayanathem! Shalbo Bembi Watts! Say baby, I love you. Le courrier. Je sais pas pourquoi je le sens pas le courrier. Combien les factures là? $300 de factures, allez. Allez, elle doit aller au travail. Hop, travail est dur. Alors, elle ne travaille pas, mais elle pourrait s'entraîner à faire quelque chose. Elle va aller à la salle de sport. Ah, est-ce qu'on a pas fait quelque chose aussi, Noël? On a eu ça pour le rencard qui va les rendre super. Non, elle a tout cassé. On n'a pas de poubelle. On mettra une petite poubelle dans la cuisine. Et ouais, bah on en mettra une dehors plus tard. Possible. Toute la patinoire me regarde et paf, je fais exprès de
Déboussolé, il se précipite sur moi et me donne son Kinder Bueno. C'est gagné. Son cœur fondant aux noisettes, une gaufrette croustillante, du bon chocolat. Kinder Bueno, si bon qu'on en deviendrait méchant. Salut DTH Stress Stress. Hello, hi, how are you? What's up? Are you playing Sims? How are you? I'm fine, thank you. Very fine. Quoi, c'est tout? Elle est pas belle. She's little ugly. Ah non, c'est là les femmes. Ah, my day. Oh, fine. I just come back from work and I'm faces. It's okay. C'est horrible cette casquette. Ah, c'est mieux là, hein? Par contre, c'est pas beau, c'est trop fou. Oh, mais... Ok, alors. Ah, it's better. Ah, ben voilà. Allez, retourne faire du sport. Ah, il y a le plongeoir là. Qu'est-ce qu'elle a? Terriblement fatiguée. Non, you are tired. Cracra. Non. Ah, j'adore ce chanson.
between us. You were like my best friend. The one I used to run and talk to. Oh, creepy and dark. My girl was having problems. You make them get out of the way. Okay, suggest little nice things I should do. When I go home at night and lay my head down, all I seem to think about was you and me. No. Oh! Fais une personnage toi-même. Elle a pris sa place, elle.
ça, il fait déjà autre chose. Putain, c'est pas vrai. Non, mais fais pas autre chose. Moi, je veux que tu viennes à la maison. Il travaille. Alors, on m'a dit les baristas. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est barista. Ah, le grain de folie. C'est où le grain de folie? C'est quoi le grain de folie? C'est un café forcément. Ah, ça n'existe pas, hein. Ah là 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 là. Il veut pas venir. Ça craint. Oh, thank you. I'm cute. Ok. Thank you very much. Et Dominique, il est marié? Dominique, il est marié. Ouais. Tant pis, hein. Marié et marié, tant pis, hein. Ah! Oh, salut! Allez, on va flirter un peu. Allez, go to flirt. Draguer. Ah, oh, embarrassé, non. Oh, hey, oh, oh, oh. Pourquoi il est embarrassé? Il est sûr de lui pourtant. Non, 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 non. Amical. Complimenter la tenue. Faire connaissance. Reste là. Complimenter. Alors, ah, mais les réticents à s'engager, mais c'est pas grave. I want to make a child with him. Draguer. À s'engager, mais peut-être peut-être quelque chose. Envoyer un baiser. Pourquoi non? Choix.
ensemble. Prendre une photo avec Marcus Flex. Yeah! Au chalet, bah allez, on va à la fiesta. We go to the party. Yes, it's okay. Dance time. Premier baiser, first kiss. Allez, allez, allez. Wouh! Biche. What? Il pourrait peut-être aller danser un peu aussi. Danser ensemble. Allez, go! Il y a un gros labyrinthe là-dedans. Mais je sais pas trop comment ça marche. J'ai encore jamais eu de fête au labyrinthe. Ça change trop vite, hein. Thank you.
It's nice to see someone in our age playing games. Yes. Lol. But you think I have how old? What is my age? Please. Nearly. Thank you. I'm cute, my lord is cute. Hall is cute. Thank you. It's very sweet, very nice. Thank you. Allez, faire crac crac dans le buisson. Il a pas voulu. Pourquoi qu'il veut pas? Thank you for the follow, DTH. Thank you very much for the follow. It's so sweet, it's so cute. Where's Cass? Ah, devenir meilleurs amis. Become my best friend. Please, 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 please. Ah, I hope.
married with the best friend for life. Oh, you, you. Ah, Leslie Gaby, hello, how are you? Ah, c'est barré. I am on Mumble, if you want to go to Mumble. Ah, ok, merde, puis tout à l'heure je parle sur Mumble, mais en fait tu m'entends pas. Salut Leslie. Ça va? Ça va et toi? Oui. I make new friends, DTH. Yes, always, always happy, yes. Sometimes I'm sad, but often happy, yes. Allez, comment ça va, ma Leslie? Ça va. Je suis en live. Ouais, je vois ça. Ouais. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, elle a couru dans le labyrinthe, elle en est mal. Ah non, mais là, pour sortir du labyrinthe, vas-y, elle est foutue. Là. Ah, mais elle dort. She sleep in the tree. Ok. Est-ce qu'elle travaille? Dans 5 heures. Oups, rentre chez toi. Hello, welcome to my channel, everybody. Je sais pas qui c'est qu'il y a, parce que Leslie Sushi, Wisebot and BTH, il y a une cinquième personne, I don't know who it is. C'est ton père. C'est mon père. It's my father. It's my father. Hop. Allez, va manger. Oh, 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 Leslie. You have a mouse fart in my life. I want to spank you. Je vais te mettre la fessée, Leslie. Vas-y. Bah, bah, bah. Mais imagine, j'ai des gens qui me connaissent, qui regardent le live, ça se trouve. Imagine la réputation que tu me fais. Oh my god. Leslie Gaming has made a mouse fart. A rototo. Ah, il est mort de rire, il dit lol. It's not me, hein? Ah, alors, ah oui, elles ont reçu des récompenses, je crois. Sa colocatrice a reçu des récompenses. Une vitrine à trophées, donc elle va mettre dans sa chambre. Voilà. Elle a pas lu le livre. Oui, oui, oui. Non, une heure, one hour. One hour, one hour. Alors, lire. La première licorne. T'as une heure pour lire ton livre. Compétence charisme. Il lui faut un miroir, pardon. Ah, ben, mais il y en a un dans la salle de bain, un miroir. Avec Marcus Flex. Oui, mais Marcus Flex, il est vraiment sympa, mais...
qu'il veut pas s'engager. Alors je sens que je vais me marier avec mon meilleur ami, puis qu'il va vite dégager en fait. Il va faire un bébé et puis à la trappe. Un bébé tout seul. Elle a fait un bébé tout seul. Oh, elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. T'as qu'à mettre le son dans mon live. Un bébé tout seul. Elle a fait un bébé tout seul. Elle a fait un bébé tout seul. Un bébé tout seul. Elle a fait un bébé tout seul. Bah écoute, toute la journée. De quoi? J'ai pas entendu! Bah j'ai mis à fond. Hein. Elle défait son rang et tout ça. Oh, elle a fait un béoli toute seule. Cours toute la journée. Cours de septembre en été. Au peu de billets. Et ta ma... Oh my god, Toute la journée. Nous sommes vivants de 4 heures. Au petit déjeuner. Bon allez, on remet le son du jeu. Oh mais il est perdu. Et moi ça faisait longtemps que j'avais pas vanne quelqu'un, tu vois. Mais quoi hein? J'avais envie d'éternuer. Ah. Et je crois qu'elle est pas au travail en fait. Je crois que c'est l'heure du travail. Voilà, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Et du mal au travail. Chou a obtenu un jour de congé. Yeah! So cute! And she go to sleep because she's tired. Very, very tired. Souhaite venir passer du temps ici. Ouais, bah si tu veux, hein, tu peux venir, ça fonde. Hein. Dans l'autre, il est 21h, elle vient à la maison, quoi. C'est pas sérieux, ça. Ah ben, un pancake.
Oh mon dieu, il a eu un accident avec sa voiture. L'hôtel est chez moi sur mon ordinateur, tranquille. Je dois vraiment y aller, ben c'est peut-être un petit peu logique que tu te casses quand même. Oh. On va essayer d'appeler notre petit copain, notre futur petit copain. Oui, tu m'as dit ça. Ça me fait mal. Et comme tu m'as dit, t'arrivais plus à te plier l'œil. Oh. Ouais. Hey, MJ, coucou MJ. Comment ça va, MJ? Viens 5 minutes sur notre mumble, MJ, faire un petit coucou. Nosotros, por favor. Viens nous voir, Marcus. Marcus Flex va arriver. Putain, elle a pété les chiottes, la grosse. Oh, Marcus, coucou Marcus. Il veut pas faire des choses avec moi. Hein. Non, mais c'est surtout que. Je peux déjà lui demander de vivre avec moi. On va voir ce que ça donne. On va essayer de lui faire changer d'avis sur la question. Au moins pour qu'elle réalise son souhait de se marier avec son meilleur ami, quoi. C'est tout ce que je demande. Ça va, petite Lulu, hein? Je sais pas si Lulu, elle est avec nous, en fait. Je sais pas. Vous voulez qu'on passe ou pas sur le mumble de Lulu ou pas? Comment ça va ma petite Lulu? Bon d'ailleurs aussi il faudra que je te parle Leslie en privé. Ouais. Tu t'es fait quoi? Ah, t'as eu tes examens? Ah. Non, ma foi, je te parle, c'est plus privé que ça. Ouais. Ouais. Ouais.
arrivé quelque chose, c'est pour ça. J'aimerais bien. Si c'était que ça, putain, je t'aurais dit, oh viens, on fait la fête, quoi, direct. T'as des dettes, t'as découvert, attends, bouge pas, tu veux un petit appartement, je t'en achète un, voilà. C'est ça. Ah, elle va habiter où? Elle va habiter où? D'accord, mais... Ils ont trouvé une maison qui nous plaît. À acheter? Ouais, ouais, j'ai... Ah. Et... Du coup, ils vont faire une profession. D'accord. Mais franchement, sinon... Oh, il l'a demandé en mariage, il a dit oui. Voilà, ils vont se marier. Je reviens, je prépare le petit. Yep. Alors, ouvrir le son. Pourquoi on n'entend pas beaucoup les cris? Alors ça, c'est une grande question. J'en sais rien. On va monter le mumble et on va descendre les cris. Voilà. Alors, gagner de l'argent à deux encore avec son conjoint ou sa conjointe. Atteindre le niveau de relation absurde avec son conjoint ou sa conjointe. Ouais, ça va être chaud parce que lui, il est pas prêt pour tout ça, hein. Par contre, alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle dégage, en fait, elle. T'as vu ça? C'est trop mignon. Par contre, j'aimerais bien qu'elle se barre de la chambre nuptiale, elle. Alors, sauvegarder et gérer le monde. En fait, je vais jarter la coloc. Parce qu'on n'a plus rien à faire en fait de la coloc. Alors. Parce qu'à tous les coups, la coloc, elle va essayer de. Elle va essayer de prendre tiens de me prendre mon petit tami donc dégage il veut être ami de tous. Il a pas intérêt à me faire un coup de vache parce que là, je le tue. Par contre, on va essayer tout de suite de... faire un bébé parce que je veux absolument qu'elle ait un bébé de lui. Ça sera fait comme ça. On va faire le test de grossesse. C'est parti mon kikiche. Ouh. Ouais, là on s'en est... Alléluia, alléluia. Et voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Bon, par contre, maintenant, le mari, tu vas nettoyer les chiottes, essuyer, jeter, faire la vaisselle. Tu te prends pour Cendrillon. Alors, par contre, elle va reprendre le cours un peu de sa vie. Il faut qu'elle lise les livres. Lire. Voilà. Et alors, quel métier il fait? Il est sans emploi. Danse. Comédie. Fan de jeux vidéo. Fitness! On va le foutre dans le sport, le pépère! Le sport! Alors, très heureux. Alors, il est très heureux d'être marié, mais il était réticent à s'engager. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si leur mariage va bien tenir, hein. Ça me fait un peu peur quand même. Hein. Elle a lu là son bouquin là? Elle a pas lu son bouquin hein? Va faire à manger toi. Servir le dîner. Des haricots saucisses. Aïe aïe aïe. Ça va puer dans la chaumière, moi je vous le dis. Ça va être du fart en série. Elle a pas lu son bouquin, j'en étais sûre. Félicitations pour ton mariage, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Est-ce qu'on m'a envoyé des cadeaux de mariage d'abord? Est-ce qu'on m'a envoyé des cadeaux de mariage? Même pas. Oui, je suis là. Tu m'entends pas? Oui, oui. Ah. J'ai monté ton son, vous allez les gens t'entendre. Hein. Non, je voulais rester juste. Bah non. Ils viennent manger des haricots saucisses alors. Il va falloir préparer la chambre du bébé. Félicitations pour ton mariage. Ouais, cool, super, on s'en fout. Comment les gens ils peuvent être au courant qu'on s'est marié, sachant qu'on s'est marié chez nous il y a à peine une heure. C'est les SMS, ça. Ils ont tous envoyé les SMS. Allez. Remarque, on a jarté la colocataire, alors bon. Qui avons-nous sur le live? Je vois 8 personnes. Alors, je ne sais pas qui sont les 8 personnes. Ça y est, par contre, je suis hier, j'ai fait tomber mon téléphone. Donc, je crois que je me vois sur le live. Ah merde! T'as l'actualisation, je crois? Oui, que tu. Si je vois que tu réponds pas ou que t'as pas le message, c'est oui, normal. Voilà, est-ce que tu as la. Je sais pas s'il va rester comme ça ou s'il veut réparer. Ouais. Je pourrais peut-être t'envoyer un de mes téléphones, mes anciens téléphones. Non, mais moi ça fait longtemps que je suis sous l'algorithme. D'accord. T'inquiète. Est-ce que tu as la liste des spectateurs? Parce que je vois 8 personnes, mais. Attends, je regarde. J'arrive pas à savoir en fait. Ça change. Moi j'en vois 6. Mais j'ai pas la liste en fait. Ça s'actualise pas chez moi. DTHSTR. Moi. D'accord. Après, il suffit qu'il y en ait qui ne soient pas inscrits. D'accord. Alors,
pour le sport. Oh là là, un tapis de cours médical. Tiens, on va mettre un tapis de yoga. C'est ce qui revient le moins cher. Après tout. C'est qui va se cramer les fesses devant le feu pour faire du yoga. T'es la MJ. Je sais que t'es là, ma petite MJ. Ma petite MJ d'amour. Bon, t'as vu la grande discussion que j'ai eue avec Dudu, là? Sérieux, sur ton mur. Sur mon mur? Non, sur le mur de MJ. Comment je peux les rembarrer, le Dudu, là? Comme ça. C'était hier soir. Tu sers ma commère. Ouais, non, mais c'est pas méchant, hein. Il fait partie du groupe Les Sportifs quand même, lui. C'est quoi ce groupe Les Sportifs? Il pourrait peut-être inviter Massimette dedans, hein. Nous pouvons tous devenir meilleurs, plus rapides, plus forts et plus en forme. Que vous ayez besoin de paroles d'encouragement ou devenir quelqu'un pour vous botter les fesses. Nous sommes là pour vous aider. Il va rajouter sa femme. S'entraîner, nager. Faire du yoga. Ouvrir une salle de... oui, on t'a floudé, oui. Pour changer les idées. Ah bah il est beau à faire du yoga, tiens, avec les chaussettes. Mais le yoga ça marche pas pour s'entraîner en fait. Chiasse. Et bah alors on va lui acheter un truc de punching ball. Oh mais le sac de frappe celui-là il est super cher, je vais le prendre celui-là. Mettre dans la chambre du bébé. Mon bonhomme, il n'y a pas de lumière dans sa pièce. On va mettre une plus grosse lampe, hein. En fait, là, la moindre odeur, ça y est, il est mort. Oh ah, la cimette, elle a pété. Ah, elle va vomir dans les buissons, d'accord. Et c'est marqué interdit de vomir, quand même. Hein. Mais non, mais... Les seigneurs des balançoires. Ouais, j'ai marqué ça dans le chat, moi j'avais marqué. Ah. Il est fou mon clavier. Ah. Et ça m'a fait télécharger Tezo.
le jeu The Elder Scroll Online. Je sais pas si tu connais Oblivion, Leslie. Oui. Et ben en fait, c'est Oblivion mais en ligne en fait. Ok. Alors je sais plus s'il a un free to play, s'il est gratuit ou pas. Et donc il me l'a fait réinstaller. Qui t'a fait ça? Seb. Parce qu'il a envie un petit peu de jouer avec moi. Ah mais. Ils ont pété la salle de bain, l'évier. Pas possible ça. Puis elle est dégueulasse là, mais elle est habillée en cravate. Mais comment on peut se comporter de telle manière? Les Sims, ils te contactent, t'envoient des SMS pour rien te dire en fait. Mmh. Allez, c'est reparti avec la perceuse. Je sais pas si tu l'entends. Non. Bah, dis donc. Eh, nous sommes pas réunis, c'est ça. Pourtant, si nous faisons une réunion. Quand il le décidera d'abord. En fait, c'est des gros crades, mes Sims. Alors, on va prendre une portion de truc. Il travaille à quelle heure? Dans 57 minutes. Bah tu prendras ta douche là-bas, désolé mon gars. Hein. Et travailler dur, super. Tout le monde va travailler dur finalement. Une promotion. Alors, elle a reçu des trucs dans son... Une nature morte. Et qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse d'une nature morte? On se la colle au cul? Oh, pardon. C'est sorti tout seul. Elle va pouvoir commencer à décorer la chambre du bébé, du coup. Chose qui pourrait être pas mal. Alors, on sait pas si c'est un garçon ou une fille. Qu'est-ce que j'ai pour les bébés? Est-ce qu'il y a des nouvelles pièces pour les enfants? Non, il n'y a pas forcément de nouvelles pièces pour les enfants. On va mettre pièce unisexe. Un peu style, on sait pas trop si c'est un garçon ou une fille, donc voilà. S'il vous saurait pas. Et on va mettre des petits rideaux. Alors, il y a les nouveaux rideaux du kit cinéma. Textile triomphant, ça s'appelle. Ils sont pas très chers. Et ils sont pas vilains du tout.
Un nouveau follow. Alors, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. David. Salut David Drideras. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. Bisous et bienvenue. Comment vas-tu? En fait, je vais pas mettre ceci. Ah, mais ça dépasse, hein. Remerciement. Bon, on n'a pas fait trop de frais pour la chambre du bébé. C'est parfait. De toute façon, ce sera tout pour le bébé pour l'instant parce que voilà. Et il lui faut un niveau 3 de la compétence écriture. Alors, ne va pas te coucher. Tu vas écrire et tu vas reprendre l'écriture de oui oui et le petit poney. Merci. Oh, elle est pas très très belle ma maison, hein. Elle est vraiment basique de chez basique. Voilà, j'essaie de faire une maison un peu écologique, on va dire. Voilà, tout simplement. Une maison un peu écologique, une maison. Ou qu'on s'y sente bien, pas très grande, perdue dans la nature. Alors, je sais pas pourquoi il a tout ça au-dessus de la tête. Alors, il a le panneau au-dessus de la tête, ça me gêne un peu, là, quand même. Hop, on va revenir dans le monde et on va re-cliquer sur la maison. Et de toute façon, je vais bientôt arrêter mon live très, très vite. Enfin, bientôt, bientôt. Afin de passer un petit moment chez moi, tranquille. Sur le bug. Je sais pas pourquoi ça me met ça. Il y a toujours un bug de toute façon, donc c'est un peu chiant. Alors il pue.
s'enlever le bug de merde là. Gros bisous MJ. Je t'embrasse fort. T'as vu le bug de merde que j'ai, Leslie? Quoi? T'as vu le bug de merde que j'ai? Qu'est-ce que t'as? Coucou des Charlots. J'ai l'étiquette du Sims qui reste au-dessus de la tête du Sims. J'arrive pas à l'enlever. Genre, c'est moi. Je m'appelle Marcus Flex, si vous m'avez pas oublié. De toute façon, je sais pas s'ils vont rester longtemps mariés. Parce que en fait, comme c'est quelqu'un qui est réticent à s'engager, quand ça dure trop longtemps, c'est pas bon. En tout cas, elle aura eu son bébé. Et elle se sera mariée avec son meilleur ami pour la vie. Après, si elle divorce, c'est pas grave, elle se retrouvera un autre mari. Et puis voilà. Comment ça va, dit Charlot hein? Elle se sent seule, c'est bizarre ça quand même. Bah attends, on discute alors ça s'enlever s'ils discutent. Non, ça marche pas. L'autre il arrête pas de péter. Ah non, c'est pas. Alors, elle va regarder un film. Regardez qui va prendre. Il y a la police qui s'amène. Ouais, ok. Donc je te fais une bisou. Ouais, et puis je te dis bah, à demain du coup. À demain. À demain. Et puis je t'appelle tout à l'heure pour raconter. Ok, tu vois si ça marche. Ouais, pas. D'accord, ok, y'a pas de soucis. Parce qu'en fait c'est l'écran qui pose problème, donc des fois je vois pas. D'accord, y'a pas de soucis. Voilà. Coucou bisous. Paco, bisous. Coucou Paco. Bisous ma Leslie. Alors, lui va aux toilettes.
Donc, bah écoutez les amis, je vais stopper le live jusque là parce que ça fait quand même 2 heures de live. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite et on se retrouve très vite, voire même demain pour la naissance du bébé quoi. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. À très très vite. Salut. Jeruk!